Hey, c'est Sunny, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une maison en forme de chiffres en 20 minutes. Donc la dernière fois que j'avais fait un truc à peu près dans le même jour, j'avais fait une maison en forme de lettres en 15 minutes. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, donc si vous n'avez pas vu, je vous le mets d'un petit. J'avais fait une maison déjà en 20 minutes et après je l'avais fait en vidéo 15 minutes. Donc là je vais vraiment faire en 20 minutes, comme ça j'aurai un peu le temps. Et du coup je vais vous montrer un peu la roue avec tous les chiffres. Et aussi, attendez, je vais pouvoir mettre, parce que j'avais mis 15 minutes mais ça me paraît très chaud, donc je vais mettre 20 minutes. Donc je vais tourner la roue et je vais tomber sur 2. Donc on va retourner dans les Sims, on va plutôt démarrer le minuteur. Attendez, je vais mettre le son à fond de mon casque parce que j'ai pas d'enceinte. Du coup, hop, je fais démarrer le minuteur et hop, c'est parti. Voyez-vous mon écran? Oui, c'est bon. Donc, en forme de 2, comment je vais faire? B. Je partirai bien sur une base de 3 comme ça. Est-ce qu'on part après sur un comme ça? Là, je suis en train de... en pleine... C'est du n'importe quoi mon truc, hein, là. Faut pas me demander. Je pense que je vais décaler un petit peu le terrain. Hop. Hop. Yes. Voilà, donc hop, il y a des murs qui sont partis. Tac. Non mais c'est pas ça. Ça va pas être waouh, hein, quoi. Ça va prendre toute la place. Hop. Est-ce que là je tiens un 2? J'ai l'impression que c'est un peu trop... voilà, hop. Voilà. Voilà, et du coup, il y a un problème, c'est que ça veut pas faire. Donc, je vais devoir tout refaire comme ça. Ah, c'est un peu pénible. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Donc, j'ai ma forme. Est-ce que c'est trop grand, en fait, peut-être? Je partirai bien sur ça. Et du coup, où je fais l'entrée? Si j'ai bien envie de faire une entrée par ici, donc on pourrait passer comme ça et que l'entrée serait vers ici. Donc, sauf si je pars sur... est-ce que je me dis que vous allez... Je sais pas si c'est de la triche ou pas, mais je vais me mettre comme ça, mais de l'autre sens, pour pouvoir faire une entrée ici. Tout pour que ça soit peut-être un peu mieux au niveau des trucs, ouais. Donc déjà je vais peut-être pouvoir faire une salle de bain ou un truc ici. Là, non, ça me plaît pas, ça m'inspirait plus tout à l'heure. Bon, on va faire comme si ici ça va être une chambre par exemple, on va dire ça comme ça. On va pouvoir faire peut-être un truc comme ça pour faire comme si c'était la salle de bain qui était juste ici. Hop, une salle de bain comme ça. Là on a une entrée, donc là on aurait un couloir avec un salon, une salle à manger, la cuisine. Là on pourrait couper ici pour faire une salle de bain, une re-salle de bain et une autre chambre ici. Du coup il y aurait deux chambres. Est-ce que je peux faire une chambre à partir de là? Par exemple faire une deux chambres. Il faudrait faire un couloir extérieur. Ah ça me plaît pas, sauf si je fais genre un petit truc comme ça, hop. Sinon, hop, je fais une plus petite salle de bain parce que c'est la salle de bain des enfants. Donc, ils n'ont pas besoin forcément de deux éviers et tout. Et du coup, je peux rester comme ça. Je vais voir mon minuteur où j'en suis. J'en suis à 15 minutes déjà. Punaise, on va commencer par faire le toit. Et pour le toit, je vais partir sur un truc très très simple. Je vais mettre des demi-murs. Donc, je vais pas parler plus parce que ça va être trop long sinon. Qu'est-ce qui est la bonne hauteur? Hop. Sinon je vais faire comme ça, ça va être une... Je vais devoir enlever des trucs forcément. Ah bah non mais du coup faut que je fasse comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça va me permettre de gagner peut-être du temps, mais pas forcément. Hop, on va pouvoir partir sur. Repartir sur des normales. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Hop. Je prends du temps, en fait. J'aurai que 10 minutes pour faire la maison. Il faut que j'arrête de parler, punaise. Hop.
Hop, et là, je crois que j'ai fini ça. Je vais pouvoir mettre la couleur. On va partir sur un truc très moderne, donc tout en noir. Voilà. Pour les murs, il faut trouver un truc moderne, ou peut-être juste mettre tout en briques blanches. J'ai choisi la facilité, c'est pas faux. Mais là, à la fin, j'ai plus trop le choix, quoi. Hop. Est-ce qu'il y a bien partout? Pour la terrasse, ce sera vraiment du bonus. Et pour le haut, j'ai bien envie de mettre des. Ça, mais en. Hop, marron, noir. Voilà, c'est pas censé aller sur le haut, mais c'est pas grave. On va pouvoir commencer à mettre la porte d'entrée. Je vais partir sur la basique qu'on utilise pour faire des maisons modernes. Après, je vais partir sur mettre des lumières partout. Je sais pas du tout où j'en suis. Éclairage, hop. Quand ça va sonner. Oh, punaise. Hop, on va en mettre dans le couloir un peu partout. Hop. J'ai oublié le bébé move object. Ah mince. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop, bébé move object. Donc. Hop, j'en suis au niveau du chrono. 12 minutes déjà. Oh, punaise. On va pouvoir mettre. Déjà, je vais mettre du blanc partout. Ça va être plus facile, même si ça va rester sûrement blanc jusqu'à la fin. Au moins, je suis sûre que les murs, ils sont beaux. Pour les portes, je vais utiliser celle de décoration intérieure. En fait, j'utilise beaucoup depuis que le pack est sorti. Au début, je les aimais pas trop. Et finalement, ben, je fais que les utiliser. On va les mettre en bois. On va pouvoir en mettre là plus une porte coulissante. Et là, voilà, hop. Et je vais peut-être pouvoir en mettre une ici. On verra si je la laisse ou pas. Une porte pour le couloir, une porte pour la chambre. Ah. Voilà. Une autre porte pour. Attends, je pense que je vais mettre directement des portes à l'intérieur du couloir. Ça sera mieux pour la cuisine. Donc ça c'est bon. Je vais pouvoir mettre une porte coulissante qu'on a aussi avec décoration d'intérieur qui va se placer juste là. Comme ça j'ai la place de mettre des meubles. Je vais partir sur le parquet très simple de écologie parce que je pense que c'est celui qui est très facile d'utilisation parce que tout le monde va l'utiliser tout le temps et du coup on est sûr qu'on passe sur une base assez sûre. Je vais juste mettre un peu de carrelage, même si dans ma maison, moi, il n'y a pas de carrelage au niveau de la cuisine, mais j'aime bien en mettre. Hop, avec cette LRF, je vais venir faire des petits coins, c'est vraiment du bonus, mais c'est pas grave. On va pouvoir commencer à mettre les chambres. Donc, tous les lits, je vais mettre des lits partout. Pour le lit, je partirai sur celui d'écologie parce que je l'aime beaucoup. On va pouvoir partir sur celui-là. Pour les enfants, j'ai bien envie de mettre un sur comme ça. Donc, où ça? Quelle est la question? Comme ça, à cet endroit, c'est pile le bon endroit. Mince, il faut mettre la grille, sinon ça marche pas. Je vais mettre celui-là comme ça ici. Et celui-là pour l'autre Sims. Il se placera dans un autre endroit, mais je partirai peut-être sur un bambin. Un bambin, ouais, un bambin. Hop, c'est ici avec le lit d'écologie qu'on va mettre juste ici. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais partir pour mettre l'essentiel pour les salles de bain parce que c'est un peu essentiel. On va mettre une grande douche ici parce que bah sinon ils peuvent pas se doucher et sinon bah il faut qu'ils se douchent les. Enfin, il faut des douches pour les bambins. Je sais, j'aurais peut-être pas dû prendre des douches. On va pouvoir prendre deux éviers, donc lesquels je partirai bien sur ça. Hop. Est-ce qu'on a une couleur bleutée? Ça peut être pas mal pour rappeler ça. Et un grand miroir, voilà. On va juste pouvoir mettre du carrelage. Et ce carrelage, ce sera lequel? Un bleu, un comme ça, non, ça c'est trop moche. Un truc noir. Oui, je vais partir sur du noir pour les salles de bain. À part celle des parents, je vais partir comme sur la cuisine. On repart et on va mettre plutôt un bain et une douche pour eux.
Donc un bain qui sera peut-être au milieu. Là, on mettra les éviers. Donc deux éviers, ce sera les comme ça, parce que je les aime beaucoup. On part sur quel style? Je vais peut-être rester en vert, ou plutôt en... J'hésite. Faudrait pas que j'hésite là, parce que ça me fait perdre du temps. Bon, on reste sur du vert. Hop, c'est pas grave. Il me plaise pas vraiment en fait. Ça va pas sur le style, mais pourquoi je chipote pour des trucs comme ça? Je vais mettre ces deux là, là. Hop. Hop. On va mettre deux miroirs qui seront les deux de décoration d'intérieur parce que je ne sais pas, je les mets partout, je les trouve trop beaux. Et là, du coup, si on met de ce côté-là ça avec une douche qui sera comme ça. Et voilà. Ou plutôt l'inverse. Je partirais peut-être plus sur l'inverse. Ah, ça me stresse de faire tous les détails alors qu'il n'y a pas forcément besoin de détails. C'est pas grave si ce sera pas fonctionnel, c'est vraiment pour la beauté. Est-ce que ça me saoule que voilà, hop. Je sauvegarde et je vais voir ça. On est à 7 minutes. Sur quoi je pars? Sur la cuisine. Parce qu'il faut vraiment une cuisine, ce serait plutôt pas mal. Une cuisine, je vais prendre celle de... Comme ça, on va pouvoir prendre le bout arrondi comme ici. Ça, ça. Tac. Un autre. Et là, on met le frigo de... Comme ça. Non, j'ai envie de mettre ça. Hop, en couleur comme ça. Non, ça va pas avec. Je sais pas, je vais mettre... Il est où? Il est là. Celui-là en blanc. Il y a un blanc, il y a un blanc. Oui, celui-là, il est parfait. On va pouvoir prendre un petit micro-ondes qu'on va placer juste là. Une poubelle. C'est pas le plus important la poubelle, mais c'est quand même important. Du coup, on va la placer juste là. Hop. En blanc. On va pouvoir prendre un évier. Donc mon évier préféré, c'est celui-là. Hop. Et il nous faut quoi d'autre? Une gazinière, donc une plaque de cuisson qu'on mettra peut-être en un îlot. Voilà. Et c'est tout. On bord comme ça. Et là, on va mettre la plaque de cuisson. Il faut qu'on mette un lave-vaisselle et ça, par exemple. Donc ici, je vais mettre le four. Et hop, je sais que je perds du temps avec tous ces détails. Ici, ceci, hop, on s'en fiche. Maintenant, on va faire la table à manger parce que ce serait plutôt pas mal d'avoir une table à manger. Je vais partir sur une grande table, non, peut-être pas celle-là, de décoration d'intérieur, comme ça, avec des chaises de décoration d'intérieur, comme ça. En fait, j'essaye pas d'oser des nouveaux trucs parce que ça va être trop long. Il me reste 5, 4 minutes 30, donc on peut. Avoir le temps de peut-être mettre une télé et de faire un salon, donc déjà on va mettre ça. On va pouvoir prendre lequel? Touk touk touk. Je veux pas en fabriquer un parce que ça va prendre trop de temps. Peut-être prendre celui de décoration d'intérieur. Bon, je fais trop de décoration d'intérieur, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Il me faut ce fauteuil qui va avec et l'autre fauteuil qui est où? Qui est où? Il est là que je mets. Je fais souvent ça en fait, mettre un petit fauteuil juste là. On va pouvoir mettre une table au milieu qui sera celle de décor. Non, bah aussi, comme ça. Celle-là est sympa. On va pouvoir mettre un tapis de vie citadine. Hop, voilà. Et on va peut-être le mettre plus en beige. Parce que je le préfère en beige. Hop, voilà. Il n'y a rien sur les murs, il n'y a rien. Est-ce que je vais m'attaquer à continuer les chambres parce que j'ai pas vraiment fait ça. Donc on va partir sur des tables assez rondes. Hop, hop. Et hop. On va partir pour ici. On va pouvoir lui mettre une armoire, un bureau. Un deuxième lit au pire, comme ça il y aura assez de monde. C'est pas grave. Faut juste que je trouve. Voilà. On va pouvoir mettre un bureau ou une armoire. Peut-être ce serait mieux une armoire.
pour la mettre ici, l'armoire. Et le bureau ici. Ah oui, il faudrait un bureau quelque part d'autre, mais j'ai pas le temps. Donc il me faut un bureau. Ça sert à rien de faire un bureau ici si j'en ai pas un ici. Donc il faudrait peut-être faire un bureau dans l'entrée. Ce serait un peu bizarre, mais au moins j'ai un bureau. Voilà. Vous aurez un bureau pour utiliser. Je vous mets lequel ? Celui-là avec une chaise qui sera celle-là. Hop. On va pouvoir continuer ça pour mettre une armoire aussi parce que ce serait plutôt pas mal. Elle est où, celle que j'aime beaucoup. Et tic, je la trouve pas. Ah, c'est super. J'ai bien envie de mettre. On met cherche celle de vis. Allez là. Oh, c'était très long à trouver. Une télé que j'ai envie de mettre juste ici. On va mettre des tapis pour agrandir l'espace. Donc, je vais utiliser celui-là. Enfin, c'est pour occuper l'espace plutôt. Non, ça marche pas. Ça fait comme s'il y avait. Ça me va pas, quoi. Celui-là, on va le laisser. On va pouvoir prendre un petit tapis pour la chaise du bureau. Un tapis pour la table, ce sera sur lequel. Celui-là. Non. Celui-là, on va le mettre plutôt dans la chambre, là. Pour la chambre de bambin, on va mettre lesquels ? Peut-être celui-là. Hop, avec. Ah, mais je sais ce que je vais mettre ici. La cabane pour enfants, la cabane. Au moins, ça va occuper de l'espace. Voilà, il y a plein d'espace maintenant. Hop. On va juste mettre une armoire pour l'enfant. Donc, peut-être plus celle-là parce qu'elle fait enfantine. Pour ici, il me faudrait un truc, quoi. Qu'est-ce que je mets, quoi? Un bureau, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un gros jeu, un truc? En fait, j'aimerais bien remettre une cabane, mais je sais pas. Vite, c'est un peu bizarre, quoi. Hop, il faut que je trouve un bureau. Je pense que, hop, il y a l'armoire qui s'est mise. Comment je fais? Je suis au niveau du... 30 secondes. Je vais peut-être avoir le temps de mettre une chaise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. Des fenêtres. Je vais jamais avoir le temps de mettre assez de fenêtres. Mais je veux juste une belle vitrée, s'il vous plaît. Que j'ai le temps de mettre une belle vitrée. Elle est où? Oh, c'est pas possible. Elles sont. Non, c'est dans les portes. J'ai juste envie de mettre une belle vitrée pour que ça. Qu'on voit qu'il y ait de l'espace. Voilà. On va mettre des. Ah, c'est fini. Bon. Il n'y a aucune fenêtre. Du coup, déjà, je vais arrêter le visiteur. Ça va. J'ai juste une fenêtre. C'est pas ouf. En tout cas, c'est bon pour l'intérieur de la maison. Je trouve que ça plaît assez. Ainsi, j'aurais pu faire mieux. Donc, déjà, je vais vous la partager. Une maison. Pourquoi c'est. Ah, je comprends. C'est en. Hop. Une maison en forme de. Originale. Et après, je vais vous faire. Celle-là. Et je vais écrire originale ici. Comme ça, vous pourrez tranquille pour écrire original. Je vous la partage. Donc, déjà, je l'enregistre. Hop, et je vous la partage dans ma galerie. Et puis là, je vais faire de mon côté ce que j'aurais voulu faire. Donc, pas plus, pas mettre des détails et tout. Mais vraiment faire des choses, changer les murs, mettre des fenêtres. Et du coup, je vous retrouve tout de suite. Du coup, voilà, j'ai fini de faire toutes les fenêtres comme j'aurais voulu faire. Donc, ça aurait été une fenêtre par salle de bain, quelques fenêtres au niveau des champs pour avoir de la luminosité. Désolée, je parle du nez, je suis désolée. Et après, au niveau des couleurs, je serais partie sur ça, un peu plus foncé, donc plutôt ça. Donc, j'aurais déjà mis ça de base. Donc, voilà, ces couleurs-là un peu partout. Juste, j'aurais pris de la brique, donc peut-être. Enfin, cette brique.
Ouais, cette brique là. Pour faire ces murs-ci là et même celui de derrière. Pour rajouter un petit peu de contraste. Et voilà. Et puis du coup, j'aurais mis. Enfin, ce que je pense, c'est j'aurais repris déjà ma couleur comme ça. Et j'aurais mis des murs un peu plus clairs à certains endroits. Donc. Ou pour l'instant, je ne sais pas, peut-être sur les côtés, voilà comme ça. Et comme ça. De ce côté-là, je serais partie sur plus clair au niveau de ça et celui-là. Et ça. Et comme ça, voilà. Au niveau de la chambre du bambin, je serais partie pour plus clair pour cet endroit-là et cet endroit-là. Et puis au niveau des salles de bain, je serais partie sur bah, celle que j'utilise à peu près tout le temps. Celle-là, hop, comme ça. Et peut-être un truc plus bleuté pour celle-là. Et sur un truc assez moderne pour l'autre, puisque, bah, voilà. Donc voilà ce que serait donné. Même, j'aurais peut-être dû changer la couleur pour que ça soit tout blanc. Voilà, c'est quelques détails qui veulent rien dire. Et puis celle-là, peut-être en violet, voilà. Et puis voilà, donc je suis assez contente quand même, parce que c'est un peu mieux ce que j'avais fait la dernière fois. Donc je ferai peut-être un tome 2, enfin un tome 2, un épisode 2 où je vous le fais en 15 minutes, même si ça me paraît très très chaud. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu vous présenter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!